J'ai un peu suivi le conseil d'aller court. La coiffeur, elle avait l'air de dire vas-y. Enfin, la coiffeuse, elle avait l'air de dire vas-y. Du coup, j'étais en mode tout le monde me dit on y va. Là, tu ressens plus du tout à Feldup pour le coup. Après, on m'a comparé à Jimmy Lameux. Est-ce qu'à l'heure actuelle, je ressens plus à Jimmy Lameux ou à Feldup? Tes lunettes, elles font moins long. Enlève ta... Moi aussi, ça fait pareil, mais moi, ça fait... J'ai les lunettes sales, surtout. Je voudrais signaler, et ils m'en seront témoins, que les patrons n'arrivent pas au bureau avant 17h-18h. Ah oui, et ce, tous les jours, on est d'accord? Alors, on est d'accord? C'est banni, le pire. Non, mais je suis sûr qu'il est très occupé dans sa vie. Hein. Déjà, c'est très, très compliqué de suivre un tel régime de sport qu'il fait, et ça fait partie de son image. Son image, c'est son travail, après tout. Vras vu qu'il y a Cassandre, il est obligé de venir un peu plus tôt. Mais des 4, c'est qui veut le plus tôt des 4? Voilà. J'ai pas oublié d'où je viens, en fait. Voilà. Alors que Dany et Raz, ils ont l'air d'avoir oublié d'où ils viennent. Je pense qu'ils sont bourgeoisés. Mais grave, non, mais en plus, ils avaient des discours. Ouais, quand il y aura les bureaux, on viendra à midi, même à 11h, c'est de la blague. Ils viennent, c'est 18h, ils viennent pour faire leur stream, et ils viennent parce qu'ils ont des rendez-vous, ils viennent même pas travailler, et après ils se cassent. Leur demande de travailler 10 secondes, ils disent non, on est occupé, on a autre chose à faire. Vous avez autre chose à faire que travailler dans les bureaux pour travailler? Bon, faut qu'elle aille au sport, je suis sûr qu'il a des rendez-vous partout dans Paris, toute la journée. Non, je pense qu'il faut pas l'accabler pour autant, je suis sûr qu'il est très occupé. Il se branle. Il parle. J'ai vu Dany m'envoyer des vidéos. Dès qu'il va quelque part, il se branle. Quand il est parti là au Royaume-Uni. Le défi de Dany, c'était de se branler dans chaque pièce du bureau. Alors je sais pas s'il l'a encore rempli, mais. Je sais pas. Je l'ai pas. Si vous voyez des trucs visqueux par terre, touchez pas. Hein. C'est jamais. Les avis de l'État. Comment ça fait quoi si t'essaies de fumer électroniquement parlant avec ta clope électronique du sperme? Oui. Il est comment le liquide clope? Il est un peu visqueux? Ouais. Est-ce que tu penses que la viscosité du liquide club il se rapproche de la viscosité du liquide séminal et du sperme? Les avis de l'État. C'est l'État qui est monté celui-là. La table basse, elle tangue. Ça tangue. Bon, déjà, c'est pas grave, il y a un problème. Mais bon, c'est la faute du sol, c'est pas grave. Mais en vrai, esthétiquement, si tu regardes ça, et qu'après, très très vite, tu regardes la poutre là-haut, ça match. La couleur, elle match. Donc, il y a une cohérence esthétique. Il n'y a plus qu'à repeindre le plateau en orange. Et on est bon. Bon, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Non, encore la table basse repeinte. Bah, ça repeinte, passe. Tu vois, ça se négocie. Mais ça, par contre... Ça, c'est Raz qui a choisi encore. En fait, il fait le malin en mode tout est dégueulasse, mais quand il choisit, c'est pire. On dirait la coupe de l'étard. Et du coup, ton avis final sur les, sur la table? Ton avis final sur la table? Je suis content de l'avoir monté. Je serai encore plus heureux de sortir de la détruire. Voilà, pour être très honnête. Parce qu'elle est assez... Bah, ça, en vrai, ça va. Voilà, mon avis final, ça va. Ça va. Ouais. Je pense que tout le monde le sait, on m'a recruté à cause, enfin, grâce à mon hétérosexualité pour avoir un peu de diversité dans la boîte. Mais voilà, toutes les discussions autour des vêtements, du maquillage, voilà, parfois je décroche. Mais tu sais, parfois je suis un peu, on est un peu fiers d'être exclus, tu vois, je suis, ça va, ça me dérange pas. Ouais. Et je suis le seul à bosser, tu peux le voir. D'accord, là, j'avais une année ici avant 14h. Il y a des légendes qui racontent qu'il est déjà venu. Moi, je les ai toujours vus après le Maghreb, comme on dit dans le milieu islamique, c'est-à-dire après la prière du coucher du soleil, donc pas avant 18h, quoi. Et ça aussi, hein, attends, je vais signaler, ça doit peser quoi, 200 kilos? Qui c'est qui était pas là pour le porter? Voilà, c'est dingue, hein. C'est dingue, patron de nuit. J'aime pas s'il était là, est-ce qu'il a monté un truc ici? Tu sais, il a vraiment un rapport de patron, genre c'est moi qui paye, c'est vous qui montez, tu vois? Moi, je l'ai jamais vu le jour. Dany, je l'ai jamais vu le jour. Je sais pas, peut-être qu'avec la lumière, ça donne un reflet différent sur son visage et tout, mais moi, je l'ai vu que la nuit. C'est dégueulasse son verre, non? C'est... Non, elle est dégueulasse sa couleur, non? Attends. Mais c'est horrible avec le reste, je trouve.
dire ça? C'est le genre de Hicham? Non, pas lui. On est, c'est pas très beau avec le reste, on est d'accord? Pas ça n'a aucun sens. Vert, là c'est orange. Marron truc, là c'est orange. On est dans une boîte d'homosexuels. Et le goût pour l'esthétique, il est où? Bah écoute, j'ai rien à dire, puisque j'ai été exclu du choix. Hein, on m'a pas demandé mon avis, parce qu'apparemment j'étais le seul hétérosexuel de la boîte. Et comme je suis hétérosexuel, apparemment j'ai pas de goût. Regardez qui arrive. Je vois. Ouais, toujours, mais tout. Il a le don d'arriver quand c'est quasiment terminé. Et j'ai déjà monté moi chez moi, vous savez. T'as monté quoi? Oui, mais c'est chez toi, il est malade. Est-ce qu'on est d'accord que j'étais là pour chaque travaux? C'est vrai. J'ai monté des chaises, j'ai monté ça. C'est. En fait, il y a une division raciale du travail. Il oublie que dehors, c'est le réel. C'est les refus à l'embauche. C'est l'impossibilité de trouver un logement. C'est la police qui passe, qui met une droite comme ça. On sait pas pourquoi. Faut pas qu'il oublie ça, le petit oui-oui. Tu vois, là, ça c'est vrai. Ça, c'est... Oh, notre fauteuil, notre canapé. Voilà. Non, je vais être mauvaise langue après. Jacques Lang. Ouais, mais moi je suis un peu dur. Mais après, c'est... Le mien est beaucoup mieux gros. Non, mais c'est une dinguerie. C'est bien qu'il soit pas totalement bien. Ouais. Bah oui. Wow, son avis de productiviste. Bah oui, mais t'es pas là pour dormir, connard. Il est malade. Ah, moi, regarde ce que j'ai lu aujourd'hui. Regarde, Milan. Ah, ça, j'ai tout lu. Voilà. Donc, je mets ça à côté. Ça, c'est une astuce pour ceux qui veulent faire genre pour travailler. Mettez une pile de livres à côté de votre PC. Et genre, vous bossez. Et parfois, genre, vous ouvrez vite fait. Et vous mettez le livre à côté. Comme ça, on aura l'impression que vous avez travaillé sur le livre. Voilà, conseil d'amis. Ouais, il bosse de fou. Il écrit dans son carnet et tout. Bon, parfois, je comprends pas trop ce qu'il fait en stream, mais ouais, il bosse, et puis il a d'autres trucs. Non, franchement, moi, j'aime beaucoup Wissam, hein, c'est un très bon collègue. Il m'intimide pas du tout dans sa façon de travailler. Regarde comment il fait semblant de travailler, Cassandre. Tu sais, il s'est vraiment mis sur l'angle, il a ouvert le gros livre, là, avec des plans, alors qu'il était en train de lire Boule et Bill. Sors le vrai livre. Tu sais, t'as vu, il avait la technique que je t'avais dit. Tu te rappelles la technique que j'avais dit? Il l'applique. C'est très bien, Cassandre. Voilà. Oui, non, mais moi aussi, je sais écrire sur un livre. Ouais. Fait que dire qu'il vient en premier, mais c'est le premier à partir. Et ce matin, il a découvert qu'il y avait un compteur électrique tellement il est jamais venu en premier, ni qu'il est parti en dernier. Ce qui fait le malin. Mais lui, à 20h, il y a Coralie qui vient avec un goûter et il s'en va. Tranquille. T'arrives à 20h. Heureusement que tu restes au moins jusqu'à minuit. Moi, j'arrive 13h, 20h. Et parfois, 21h. Bah, c'est marrant. Parfois, excuse-moi, j'ai une... Hein? En général, c'est 14h, 1h du matin. Plus mais de temps, c'est toi. Mytho. Ah si, quand même, si. Tu l'as déjà fait à 14h, oui. Bah, bien sûr. Décris-moi la pièce à 14h. Je suis sûr que tu peux pas la décrire en termes de luminosité. Il va faire son live. Coralie va arriver avec un goûter. Au revoir, moi, je travaille pas. Et je travaille en plus pas les dimanches, pas les vendredis. De toute façon, il y a la prière. Non, mais là, le lundi, je peux pas. J'ai parole d'honneur. Toujours une excuse pour pas être là, Wissam. Tu sais, il est en mode, ouais, mais nous, on part toujours les derniers. 70% du temps, et je suis généreux sur le pourcentage, c'est qu'il y a des soirées. C'est un cimetière à bière en bas. Il y a des bouteilles de partout. Je dois faire attention, je dois vraiment esquiver et tout. Il y a 220 mètres carrés, je crois qu'il y a 20 mètres carrés sans bière. C'est une catastrophe. Effectivement, oui, si tu pars à 3h du matin, mais après une soirée, c'est pas du travail. Moi, je pars. Pourquoi je pars en premier? Parce que demain, je dois bosser, ok? Le lendemain, je me lève à 9h. Donc, je vais pas rester jusqu'à 4h du matin au filet les bières, que je ne bois pas d'ailleurs. Parce que. Muslim Power, Salaf. Voilà, et je l'ai pas niqué! Ah bah tiens! Bah c'est toujours pas monté. Et je voudrais refaire remarquer qu'il nous a pas du tout consulté. C'est-à-dire que c'est aussi notre espace de travail, on passe des heures et des heures, c'est peu de le dire, sur
ce bureau et pas une seule seconde, il nous a demandé, Cassandre et moi, est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous voulez qu'on change? Est-ce qu'on prend ce bureau? Non, rien. Voilà comment il traite ses employés. Mais il est vraiment dans une logique capitaliste où c'est celui qui rapporte le plus qui parle. Bah, je vais le monter vu que tu n'y arrives pas de toute façon. Donc, vu que tu es incapable de faire quelque chose, tu as le plan? Je comprends pas le plan. C'est bien. Oui, non, mais c'est bien. Oui, c'est bon. Tu te rends compte que t'es plus un poids qu'autre chose? Oui, ça en va. D'accord, il y a d'autres après. Oh, oui. Et vraiment, l'inspecteur des travaux finis. Hein. L'inspecteur des travaux finis. Dan, il a rien fait. Non, mais c'est. Quoi, j'ai tout déballé. On est d'accord. Toi, tu prenais ton café tranquille. Oui, d'accord, qu'il y a un problème dans cette entreprise. Oui. Voilà. Tu travailles pas assez à mon avis. Voilà le problème. Waouh. Oh, le jaune. Oh, le jaune. Je vous fais un message en privé. Connexion wifi. C'est juste pour dire que ton téléphone. C'est vraiment une horreur de travailler là, ça va pas. Ouais, je sais, il va être insupportable. Venir en aide. C'est un message de ce moment. On a le choix, quoi. Si pendant. Ah, après, il y a des. Il a le film que je fais. Ça a l'air un peu mieux foutu que ça. C'est un appel à l'aide. C'est genre haut ou bas. Là, il y a un clavier et tout. Ok, Drucken. Tu peux me dire mes maîtres du français? No con. Bonjour, c'est Michel. Alors, il y a Wissam qui m'a contacté. Il m'a dit qu'il y avait un petit peu le bordel de la boîte. Eh ben, je suis venu. Un syndicat? Je vais voir avec mon avocate. Il y a un mail tout de suite. Et moi, je vous le dis. Moi, je connais mes droits. C'est écrit ici. Sur cette page. Ils ont des droits. Non, il est tout seul dans son délire. Non. Écoutez-moi bien, les petits Daniaz, ça va être le feu ici. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient lui imputer une faute grave? Soit vous allez respecter le petit oui-oui, soit je vais mettre le feu à la baraque. Il y a une barbe déjà, puis même il s'est rasé la moustache, on dirait un salafiste. Allez, 220 mètres carrés, ça va être plus que dans la poussière. Salafiste, ça marche? Ok. En fait, parce que quand il réfléchit, tu vois l'histoire des canuts à Lyon à l'époque, où ils avaient chacun leur machine chez eux, etc. Et ils se faisaient un peu payer à la pièce, etc. Et payer hyper mal. En fait, c'est la même histoire que le système des plateformes. Twitch, Uber, etc. Dani, Eras, lui en a plein le cul. Dani, Eras, lui en a plein le cul. Camarades, j'annonce officiellement la grève au sein de Zawa Prod. C'est terminé. Avec mes camarades, on va plus laisser faire. On est en grève. L'État, on fait comme on a dit, on est en grève. C'est moi, on est en grève. Allez, viens, ouais, derrière, c'est bon, ils arrêtent pas de t'insulter et tout, viens. Ouais, ok, ouais. Bah, l'État, tu peux m'envoyer le montage là ouais, bien sûr, patron. Ah, je vous envoie ça tout de suite. Alors, attendez. L'État.